Alice Donna revient sur le devant de la scène. La chanteuse sort un coffret exclusif qui contient 152 titres, baptisé Alice Donna, Anthologie 1963-1987. Pour en faire la promotion, elle était l'invitée de l'émission L'Instant de Luxe sur Non Stop People, jeudi 22 avril 2021. L'occasion pour l'artiste de 75 ans d'évoquer l'histoire d'amour qu'elle a partagée avec Laurent Boyer pendant 32 ans. Durant toutes ces années, elle a beaucoup souffert de la différence d'âge qu'il avait. Il y avait une purée d'épée de Damoclès de 12 ans qui nous sépare, a-t-elle lancé. Une souffrance qui ne cesse pas à ronger lorsqu'elle a appris que Laurent Boyer l'avait trompée. Un homme, ça craque. Tous les mecs, ils vont craquer à un moment ou un autre, a-t-elle réussi à déclarer avec du recul. Si elle semble avoir réussi à pardonner les infidélités de son ancien compagnon, elle garde en revanche un goût amer de ses maîtresses qui ont tenté de sympathiser avec elle. Elle se souvient que certaines ont eu la maladresse de lui demander des conseils sur le caractère ou les habitudes de leur amant. Sa maîtresse me demandait des conseils, si est-il normal s'il est comme ça ou s'il dort tard le matin ? A-t-elle révélé. Toutes ces histoires semblent être derrière eux. Aujourd'hui, les deux ex-compagnons ont tourné la page et sont parvenus à rester très amis. Alice Donna vit d'ailleurs chez Laurent Boyer. Je dors chez mon ex-mari avec qui je n'ai jamais été mariée, d'ailleurs, a-t-elle encore confié. Alice Donna explique pourquoi elle n'a pas voulu épouser Laurent Boyer. Elle a d'ailleurs expliqué pourquoi elle n'avait jamais voulu épouser l'ancien animateur de M6. J'avais déjà été mariée. Je savais ce que c'était. J'avais fait deux enfants. Ça me suffisait. Je n'avais pas envie de faire plus d'enfants déjà. Donc je n'allais pas exiger de me marier sous prétexte peut-être qu'il voudrait des enfants un jour, parce moi que je ne voulais pas. Donc en égoïste que je suis, je n'ai pas voulu me marier une deuxième fois.